du Disney Club. A5. A5, touché. B2. B2, dans l'eau. C3. C3, coulé. Oh non, non, je suis sûr que tu triches. Bon, Nicolas, Philippe, on ne vous dérange pas trop, le Disney Club est commencé. Est-ce que nous aurons le plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui? Mais absolument, bien sûr, bonjour à tous. Dites-moi les enfants, est-ce que vous savez jouer à la bataille navale? Oui. De toute façon, pour ceux qui ne sauraient pas, ne vous inquiétez pas, on vous apprendra. Absolument, c'est un jeu qu'il faut connaître pour aller à l'école. Ah, mais non, je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas apprendre ça aux enfants, ils vont suivre votre exemple. Et puis en plus, ils vont mal travailler, on va recevoir des lettres de mécontentement des parents. Ah non, non, non. Bon. Moi, je vois pas ce qu'il y a de mal à jouer à la bataille navale à l'école. C'est vrai, je vois vraiment pas ce qu'il y a de mal. Eh bien, moi, je le vois le mal. On n'écoute plus le professeur, on étudie plus ses leçons, bref, on devient un mauvais élève. Non, il n'y a que le mercredi qu'on peut éventuellement jouer à la bataille navale. Enfin, juste après le Disney Club mercredi, bien sûr. Bon, ben, on reprendra notre partie mercredi. Bon, maintenant, je vous propose de regarder en image le programme de notre émission d'aujourd'hui. À toi, Philippe. Nous retrouvons nos fidèles amis. Tout d'abord, la bande à Picsou. Aujourd'hui, il sera question de robots. Puis, Tic et Tac, les rangers du risque, toujours en compagnie de Rusor, Jack et la superbe Gadget. Et enfin, notre ami Super Balou, qui aujourd'hui décide de repasser sa licence de pilotage. Il y aura aussi un reportage sur les coulisses du journal de Mickey. Et un formidable reportage sur les universités Disney. Où l'on n'apprend pas à jouer à la bataille navale. Oui, bon, c'est vrai, pour une fois, tu as raison. Mais on apprend quand même beaucoup d'autres choses. Et un dessin animé maintenant, ça vous dit? Alors, voici la situation. D'un côté, il y a un renard. De l'autre, il y a des poulets. À ton avis, que doit-il se passer? Le renard mange les poulets. Bah, eh bien, oui. Écoute, c'est très vite dit. Tu vas voir. Voici Petit Poulet. Vous n'avez pas froid, vous? Non. Oh, bah, moi, je sais pas ce qu'il y a, mais j'ai pas très très chaud. Ah! Mais ça doit être le premier indice de notre concours. C'est dans quelques instants dans la suite du Disney Club. Ben c'est bien ce que je disais. Le premier indice de notre concours vit dans les pays froids. Absolument, Julie, c'est un petit louveteau. Mais il ne faut pas trouver un pays ou une région aujourd'hui. Il faut trouver le nom du héros d'un livre que beaucoup d'entre vous ont certainement déjà lu. Et est-ce qu'on peut un peu aider nos amis? Parce que ça me semble un petit peu difficile quand même. Bon, si tu veux Nicolas, mais c'est exceptionnel. Bon, alors c'est aussi un film produit par Walt Disney et dont le héros est ce petit animal. Enfin, en vrai. Alors là, je pense que vous avez tous trouvé. Alors, pour nous envoyer votre réponse, vous nous l'envoyez sur carte postale à notre adresse. Le Disney Club, boîte postale 2001, 92 518, Boulogne-Billancourt, CEDEX. Et maintenant, les robots déchaînés. Qu'est-ce que c'est que ça, Julie? C'est une séquence technologique qui aurait mal tourné? Mais non, Nicolas, c'est le titre du dessin animé La Bande à Picsou. Retrouvons vite Picsou et Gripsou qui, pour une fois, vont unir leurs forces afin de sauver leur fortune. Alors là, j'aimerais bien voir ça. Enfin, nous allons voir ça. Voici La Bande à Picsou. C'est le plus grand boss de tout. Les enfants, vous connaissez l'hibernation? Non. Eh bien, soyez patients, car dans quelques instants, le docteur vétérinaire Patrick Fayencé va venir vous en parler. Restez avec nous, c'est dans la suite du Disney Club. Hibernation, état de vie ralenti, engourdissement que subissent certains mammifères sous l'action du froid hivernal. Tu joues au prof, Nicolas, là? Bah, pas du tout, Julie. Je vérifiais seulement la définition du mot hibernation. Ah. Mais je pense que le docteur Payencé, qui est à côté de nous, que nous avons la joie de voir encore sur le plateau du Disney Club, bonjour, va nous expliquer bonjour. Tout ça. N'est-ce alors, pas oui, bah, l'hibernation, c'est simple, c'est l'adaptation des animaux à l'hiver, tout simplement. Ça n'existe que dans les zones tempérées, parce que les animaux sont habitués à l'été, et puis l'hiver arrive. C'est un ralentissement des fonctions vitales de l'organisme. L'animal se met au ralenti, le cœur va moins vite, le sang coule moins vite, la température corporelle est plus basse. Il se met dans une tanière, dans un abri, et il s'endort. Mais il ne s'endort pas pendant 3 mois. Non. Il faut absolument qu'il se réveille de temps en temps, selon les espèces. Les marmottes tous les 6 jours, les loirs tous les 15 jours. Donc, s'il ne se réveille pas, là c'est grave, parce qu'il risque d'en mourir. Donc, il n'y a pas un sommeil de 4 mois.
Ok. Est-ce qu'ils perdent beaucoup de poids dans ces cas-là? Parce que je suppose qu'ils ne mangent pas. Ils ne mangent pas du tout. Les ours en particulier, qui sont très actifs dans la période estivale, qui mangent, qui volent, qui deviennent très très gros en période estivale, se terrent ensuite dans leur terrier, mangent pratiquement pas pendant cette période hivernale. Les ours ne dorment pas complètement, ils sont juste somnolents, ils se déplacent un peu. Mais ils ne mangent pas, ils peuvent perdre jusqu'à 20-30% de leur poids. L'hibernation existe aussi chez les animaux qu'on connaît moins. Les chauves-souris en pays tempéré hibernent, les tortues hibernent, les lézards hibernent. Pratiquement dans toutes les espèces, on trouve des animaux qui passent l'hiver tranquille, à l'abri, en économisant leur vie pour renaître au printemps et redémarrer leur vie. Eh bien, merci docteur pour toutes ces explications. Je pense que vous avez été largement aussi clair que le dictionnaire. Ah ben, je vous remercie, je vous remercie, c'est très gentil. Bravo, à bientôt. Julie, tout à l'heure, s'est moquée de moi parce que je jouais au prof. Mais vous allez voir à quoi elle joue, elle, lorsqu'elle va faire un reportage dans les universités Disney. Regardez. Ce n'est pas directement d'Euro Disney dont nous allons parler, mais d'une émission qui, chaque semaine, plus précisément chaque dimanche, vous fait découvrir des activités de Disney World, de Disneyland et d'Euro Disney. Je veux bien sûr parler du Disney Club. Du calme. Première question, qu'est-ce qui fait un bon animateur du Disney Club? Non, pas toi, Dingo. Vous, le jeune homme en vert, au lieu de dessiner, répondez, s'il vous plaît. C'est quoi la question? Eh bien, un bon animateur du Disney Club, c'est un garçon intelligent, sportif, curieux, cultivé. Non, allez, soyons sérieux. Nous sommes ici à l'université Disney, où bien évidemment Julie n'est pas professeur, et puis Nicolas et Dingo ne sont pas élèves. Alors nous sommes avec David Canali, qui est directeur de cette université. Alors David, expliquez-nous ce qu'est l'université Disney. L'université Disney, c'est une université, mais pas comme les autres. C'est quand même quelque part où on apprend plein de choses. On apprend l'histoire de la société Disney, qui est là quand même depuis 1923. On apprend ce que c'est qu'un cast member, on apprend la courtoisie selon Disney et tout ce qu'il faut faire pour travailler chez Euro Disney. Alors quand on travaille chez Disney, est-ce qu'on revient prendre des cours à l'université? Ah oui, bien sûr, on revient apprendre toutes les nouveautés de notre complexe hôtelier et de notre parc. On revient pour améliorer ses compétences, par exemple dans le management. On revient pour suivre des cours d'anglais ou de français et comme ça, l'université voit les cast members à plusieurs reprises pendant leur carrière. Alors, vous pouvez nous repréciser ce qu'est un cast member? Un cast member, c'est notre nom pour nos employés, mais cela veut dire que, en tant que cast member, on est sur la scène. C'est un terme showbiz qui implique un rôle d'accueil et de divertissement pour les gens, nos visiteurs qui viennent visiter Euro Disney. Merci beaucoup, David. Et vous, vous pensez que Dingo pourrait faire un bon cast member? Souvenez-vous, la semaine dernière, nous avons laissé Tic et Tac dans une situation très très périlleuse. Oh, si je m'en souviens, Nicolas, j'ai passé une semaine épouvantable. J'étais angoissé, pas toi? Oui, moi aussi. Eh bien, rassurez-vous, nous allons voir tout de suite que nos amis Tic et Tac, les rangers du risque, vont probablement se sortir de cette situation. Voici Tic et Tac. Au revoir Tic et Tac, à la semaine prochaine et je suis sûre que vous vous sortirez de cette situation périlleuse. Et maintenant j'ai une petite idée, j'ai envie de faire une farce à Nicolas et Philippe. Quand ils vont venir ici pour m'aider, je vais leur proposer de faire une salade de fruits. Elle est pas drôle ta farce, c'est facile de faire une salade de fruits. Oui, mais quand on a de vrais fruits. Ceux-ci, regarde, sont en papier mâché et ce sont en fait des boîtes de rangement. Je vous apprendrai à les confectionner dans la suite du Disney Club.